Europe de ma peur, Play. Ouais, Play. Je vais l'envoyer aussi pour les fleurs qui veulent le faire, hein, tant qu'à faire. Ok. Donc 230 Moving Painting Zooming, ok. Tac, invite friends, j'invite des fleurs, boum boum. Si vous êtes chaud de participer, n'hésitez pas, je vous l'envoie là. Hop. Je vous le mets dans le chat. Incroyable. Salut la matraque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de méta, ouais, l'Europe est beaucoup plus difficile que le monde. Ouais, je sais. L'Europe, c'est quand même un continent qui se ressemble d'un peu partout. Mmh. Du coup, voilà. C'est... Ouais, tout à fait. En termes de méta, c'est là où je vais être le plus inutile. Mais c'est pour ça où je suis pas dégueu. Alors ça va paraître con, mais dis-moi ce que t'en penses. Mais en gros, vu que j'ai habité en Allemagne, je parle allemand, etc. Et ben en fait, il y a beaucoup de pays, notamment le Danemark, la Suède, etc., qui sont des langues d'origine germanique, en gros, ouais, avec des racines germaniques. Et donc du coup, parfois les gens ont du mal à faire la différence, tu vois. Et moi, du coup, je fais la diff très facilement entre l'allemand, le néerlandais, le danois, le suédois, etc. Et donc, oui, du coup, ça me carie pas mal pour ce genre de pays, tu vois, en général. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Enfin bon, je dis ça, je vais me chier. Bon, on y va ? Ouais, bah c'est parti. C'est parti, 2:30. Justement, okay. Tu vois, on en parlait. Ouais. Citizen Advisory. Ouais, de Backseat, bien sûr, de ouf. Okay, condition Zilan. Grande-Bretagne. Ok, condition Zilan. Alors du coup, je pense qu'en condition Zilan, je vais forcément dire le pays assez rapidement, oui. Je le sais. Vraiment, la carte, au début, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre son point au début, tu vois. Ouais, faut tracer. On va penser timer, il faut essayer de trouver les infos. Faut pas perdre du temps à juste mettre son point sur la carte en mode « Ah, c'est bon, j'ai trouvé que c'était la Grande-Bretagne. » Non, okay. Vraiment. Je cherche juste une route. Ouais. Pour des panneaux. Je retourne dans la ville. Ça te dit un truc ? Non. Ça, c'est le parking, donc ça me dit rien. Mais quoi, on en met dans le sens. Attends, là, ça peut être .co.uk. Ouais, il y a peut-être le nom de la ville quelque part. Non. Non, mais je savais que c'était un parking, mais c'était... Ah, si, là, peut-être, regarde. Ah oui, sur le tracteur ? Non. Non. Il y avait le numéro de téléphone, mais j'ai pas pris les numéros de téléphone, donc... T'as pas pris les numéros de téléphone anglais ? Non. Désolé, je vais devoir trouver un autre mate pour Zilan, du coup. Là, voilà, oh, super. Oh, ça, c'est parfait, ça. Bridge, Kikardi, Leven. Kikardi, les A90, elles sont pas au nord ? Enfin, genre vers Leeds, tout ça ? A60, A59, A666, Là, il y a A1000, A900, 1000 là, 500, 1000... Je vois pas de 900. Ça a l'air de descendre en nombre, donc peut-être en Écosse, vers l'Écosse. Ah ouais ? Vers Glasgow, Edinburgh. À 800, 900, ouais. À 91, je l'ai juste au-dessus de ton point, la 91. Ouais. La M90, elle est à King Rose. On est peut-être par là, du coup. Attends, on a peut-être des villes là. Et t'as 915. Kirkcaldy à côté de la mer, en bas à droite. Oui. Ici. Tout à fait. Et t'as la 915 ici. Il n'y a plus de musique, putain. La 915... Attends, j'ai pas la 900... Si, là. La 915 est là. Elle est là, ouais. Et elle se croise à un moment pour rejoindre la 915... 91. 915, 91. Bah, c'est pas là, du coup. Bah non, c'est pas là, mais du coup, elle doit se rejoindre... Là. Un peu plus haut. Un peu plus haut, ouais. Là. On doit être à Saint-Andrew, mec. Je l'ai vu. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est à Saint-Andrew. Ouais. Yes. 100%. 100%. 4998. C'est très, très propre. C'est très, très fort. Plutôt pas mal, ouais. Ouais. C'est plutôt pas mal. J'ai une petite question pour toi. Bien sûr. Moi, j'ai mon Spotify qui se coupe parce qu'on est en partage d'écran. Tu aurais ce souci What? Ouais, il me dit ouais, lecture parce qu'en fait, t'es en train de faire des choses. Ah, je peux peut-être couper mon micro. Bah, mais tu m'entends plus. du coup, je t'entends pas si tu fais ça, oui. Mais... Ouais. Ouais. C'est-à-dire, tu peux pas mettre de Spotify. Attends, quoi? Ouais, je sais pas, Spotify il se coupe parce que Discord dit ouais, non, mais t'es en train de faire des trucs sur Discord, donc alors je coupe la musique parce que sinon ça fait. Ah, c'est le mode streamer. Enlève, oui, ah, je pense que c'est le mode. Désactive le mode streamer de ton Discord, je pense. Ok. Ah, ouais, je pense. Ok. C'est un peu chiant le mode streamer, c'est un peu bizarre. Mode streamer activé. Il a vraiment désactive disparu. Le mode streamer. Ok. Vas-y, tente. Bon, on va voir. Hein. Ok, next round. On va voir ce que ça donne. Ouais, next round. C'est parti, go.
Ça fait très la France. C'est pas la France. Ah ouais? Non. Ah, t'es chaud. Regardez le panneau rouge là. Ouais. T'es chaud, mec. Oui, non, c'est pas là. C'est. C'est Tchéquie. Tchéquie, ouais. Tchéquie, Slovaquie, en D2. Praha, c'est Tchéquie. Ok, Tchéquie, il y a Praha, ouais, Prague. Tac, tac, tac. Ok, Tchéquie. Bon, on bouge, hein. Ouais, on bouge, on bouge, on bouge. Il y a des chances qu'on soit à côté de Prague, mais, putain, mais on bouge. Je suis bloqué, je suis bloqué. T'as raison, faut pas que je mette mon point. On s'en fout de mettre ouais, le ouais, point. Ouais. J'ai dit, on dirait la France. Tchéquie. C'est encore coupé la musique, quel enfer. Ah ouais? Ah merde, donc c'était pas ça. Y a pas de panneau, pas de panneau, pas de panneau, pas de panneau. Ouais, faut essayer de trouver des grands des axes. Des grandes lignes, ouais. Ouais, genre par là au fond, là, à mon avis. Là-bas, là? Ouais, par là-bas. Des grands axes, hein. Ouais, ouais. Là. Non. Là. Faut que je sorte. En fait, des fois, quand tu sors... Ouais, moi, tu sors de la ville, t'as des panneaux. T'as des panneaux. T'avais un rond-point, je crois. T'avais un panneau avec un rond-point dessus. Derrière. Ah ouais, super. Super. Yes. Bah après, ça veut dire qu'il y a un rond-point là... Mais j'ai remarqué un truc aussi, même en voyageant et tout, c'est qu'en France, on a particulièrement beaucoup de panneaux sur les routes. Pas derrière, il y a un panneau vert. Où ça? Sur le rond-point. Ah non, mais c'est pas un panneau vert, mais l'enfer! Non, ils disent le centre. Ah, regarde, c'est quoi ça? Novena Andres, Stade de nous. Non. Bon. Ça, c'est la rue, ça. Si, il y a un panneau vert. C'est le nom de la rue. Il y a pas de panneau, bordel de... Il y a pas de panneau. Là. C'est quoi? C'est un panneau bleu, ça. Énorme. Si, énorme. Oseki. Oseki. Bon. Zoom sur Prague pour voir s'il n'y a pas un Oseki. Dans le coin, je regarde. Rostoki, mais c'est pas ça, non, c'est vraiment Oseki. Attends, je dézoome un peu. Oh, la musique, l'enfer. Oseki, c'est chaud là. C'est chaud. Et de toute façon, il n'y aura pas d'autre. Je pense que c'est une petite ville autour de Prague parce que sur le panneau, il y avait marqué Prague, donc j'imagine que. Vraiment autour... Rostoki. Je me mets plutôt... Le Centrum, il était au sud, ouais, peut-être au nord de Prague, ouais. Ouais. Nord de Prague. Pas du tout Prague, quoi. Pas du tout. Bah après, c'était chaud. Hein. Ah ouais, non, là, c'était complexe. Ouais. Et c'était quoi? C'était ça, ok. Et Oseki, il était où? On voyait même pas. Hein. Bah, Oseki... On le voyait même pas. Attends, hein. Mais... Vous le voyez, Oseki, là? Vous voyez Oseki, là? Mec, attends, je vois même pas Oseki. Attends, à mon avis, c'est peut-être le nom d'un Tiex. Hein. Ah, d'un Tiex de... Ouais, c'est le nom d'un Tiex de la ville, je pense, ouais, effectivement. C'est possible un Tiex, ouais. Il était dur, ce point. C'était très dur, ce point. Très, très dur. Ouais. C'était très dur. Ok, on enchaîne. Oui. Okay. Bon, bah, au moins, on est sur un grand axe, en vrai. Ouais. Bon, bah, là, direction panneau. Ça peut être le... Oh, le slalom! Gauche-droite, mec. Hop, ça bunny hop. Hop. Bon, par contre... Ah, du coup, là, j'ose pas, parce que j'ose pas te demander de regarder les plaques, parce que je sais pas si ça va nous faire perdre du temps si on a l'info de pays un peu plus tard. Parce que là, le pays, je suis pas sûr. Il y a littéralement rien, en fait. Hop, mais... hop, quelques bunny. Il y a vraiment... Ah, si. L'enfer. Là, il y a un truc écrit. Oh, putain, l'enfer, ok. Tu connais! Cure, Chiar... De toute façon, c'est Europe, hein. Donc on est à gauche de la Russie, 100%, dans tous les cas. Ouais, je me suis mis à... Je m'étais mis à gauche de la Russie, mais... Oh, il y a un gros panneau, là. Où ça? Derrière. C'est le même panneau, ok. Qui poids bas. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut, commine dans une direction, et si tu prends pas la bonne... Après, mec, je peux turn, hein. Ah non, en vrai... En vrai, il reste une 15, ça sert à rien de turn, je pense. C'était Cupa... Tu t'en rappelles du nom, Cupa Bois? Ouais, je l'ai en tête. Mais toi, tu ne prends jamais de notes, hein. Non, de toute façon, on n'aura pas le droit. Ah oui, bon bah c'est parfait. Donc... Bon, écoute, mec, on cherche Cupa Bois par là, non? Non, ça, c'est minuscule. C'est... Ça va être tout petit. C'est une grande route qui est un peu verticale. Et qui va de... Ouais, du sud-est au... Au nord-ouest. Au nord-ouest, ah, c'est chaud quand même. Peut-être la M4, genre... hein. La M4? Ah ouais?
Je pense pas qu'on soit aussi bas. J'ai pas des feelings Ukraine en vrai. Peut-être à côté de Yeletz. De Yeletz, c'est où Yeletz? Juste en dessous de ton point. Juste en dessous de ton point quand tu zoomes un peu. Ah oui, pardon. Tu penses par là, ouais? Ouais, en vrai, là, je suis là. Bah oui, non, mais. C'est la Russie, c'est... un effort quand même, compliqué. Putain! On sait jamais, hein. Ouais. Oh non, mais là, c'est de toute façon 3 secondes. Ouais, ouais, mais écoute, on aura fait ça. Hein. Oh, mais. Quoi? Ah ouais! Ah ouais, c'est chaud. Et la ville, elle, on la voyait de... Ah, il fallait savoir que c'était là, quoi. La ville... Tu peux cliquer sur le drapeau. Ouais. Et regarder la Google Car. La Google Car? Ouais, genre... Ah ouais, là, c'était chaud. Hein. C'était chaud de ouf. Parce que dans ce coin-là, en Russie, la voiture, elle est un peu rouge, de temps en temps. Ok. Mais là, elle était pas rouge. Oh là, c'est chaud. Et c'est ça, là... Oh, il était chaud. Ce point était chaud. Après, on avait une intersection là. On aurait pu chercher des numéros de route plutôt que... Non. La P200... Regarde, on a une P217 écrit instant. Non, en fait, non. P217 écrit instant. Regarde là. Ouais, sur le point. Ah, mais ça, c'est sur... Ça, on l'a pas sur JoeGuessr. Ah, mais je suis con. J'ai vraiment cru que c'était sur le sol, mec. Non. Ah, j'ai vraiment cru que c'était sur le sol. Au final, c'est Justin... En fait, c'est Justin qui joue. Ah bah oui. Ah bah de toute façon c'est le principe de JoeGuessr, c'est le meilleur qui backseat, oui c'est sûr. Ça de toute façon... Après ça dépend hein, si je veux dire, si j'ai des feelings... Ah oui, si vous avez des infos, ah ouais, de ouf. Ok bah go. Oh bah Pays-Bas. Ok Pays-Bas, ouais. Oh, bon on l'est hein. Ouais, Pays-Bas... Pays-Bas maintenant va falloir trouver... Valkenforsvik. C'est plutôt Wolfvich qu'il faut noter je pense. Wolfvich ouais. Tu retiens ouais. Ouais, ouais, je retiens. Ok, c'est plutôt ça, parce que l'autre, ça, c'est juste une rue, en fait. Wolvec. En vrai, je me mettrais... on s'en fout de la carte pour l'instant, mais je mettrais genre centre Pays-Bas. Centre Pays-Bas ? Ouais. Ouais, on est plutôt dans les terres, ouais, je suis assez d'accord. Tac. Non, je pense que tu peux continuer. Là, c'est vraiment un lotissement, on n'aura rien du tout. Là, voilà. Oh là, c'est parfait, ça, je pense. Irgen Medisch Experiment. On quitte Doevern, donc on est à Doevern. Rimente, Eusden. C'est vraiment Eusden, là. Là, c'est Eusden, l'info, parce que c'est la plus grosse ville. Ah oui, Eusden. Alors, Eusden. Je check ou je trace? Tu peux... En vrai, on peut tracer. Ok, on s'arrêtera plus tard pour checker. Ouais. Ouais, mais là, le truc, c'est que je vais tracer... Ok, donc là, on se barre vers l'est. Ouais. Et c'est super sympa, en vrai. Bah, c'est cool, les Pays-Bas, en vrai. Ouais, de ouf. Bah ouais, c'est chill, hein. J'ai habité pendant 2 ans, c'était sympa. Ok, et là on rentre, bah... Ah, t'as habité 2 ans aux Pays-Bas? Ouais. Ah, je savais pas, mec. Je savais pas du tout que t'avais habité aux Pays-Bas. Mais c'est vrai que c'est chill, les Pays-Bas, c'est... C'est chill, hein. Ouais, c'est plat, c'est chill. Ouais, ouais. Full vélo et tout, les champs sont plutôt gentils. En vrai, c'est chill, hein, vraiment. Ouais. En vrai, je pense qu'on peut poncer la map, là, il y aura... Ouais, vas-y. Ouais. T'as les noms? Eusden, ouais. Eusden, c'est sûrement une petite ville... peut-être pas forcément à ce point-là au nord, mais... Peut-être entre Apeldoorn et Utrecht. Qui est à gauche. Genre dans ce coin-là, tu vois. Eusden. Eusden avec un H. Eusden. Eusden. À mon avis, c'est sûrement une petite ville qu'il faut zoomer vraiment. L'Eusden, là, mais c'est pas Eusden. Ouais, mais c'est... Bah, de toute façon, dans le pire des cas, on se met là. Hein, c'est... Lienden, nanana. Ouais, non, en vrai, ce coin-là, il me parle pas mal, hein. Ouais. Esveld, Vessel. Gerven. Puis spoiler, ça va être tout au nord du pays, tu vois. Ah. Tout au sud, ok. Ah, Valvec ! C'était une grosse ville ! Tu l'avais, Valvec ? Bah, on le voyait, là. Si tu zoomes encore un peu, un poil. Ah oui, là. Attends, mais c'est où, Eusden ? Eusden qui doit être... Ah, il est à droite du point. Quand tu zoomes un peu. Encore un peu. Ah ouais, oui. Ah, c'était plutôt... c'était Wolfvich. En plus, je t'avais dit, il faut retenir Wolfvich comme en affinité. Ah ouais.
Ah, c'était Walvishk. Ok, mais tu vois. Vu la gueule du panneau, ouais. Mais tu t'en rappelais ou pas de Walvishk? Ah, je m'en rappelais, ouais. Okay, okay. Vu qu'on cherchait pas dans cette zone-là, je l'ai pas vu. Ok, ok. Mais c'est vrai, ouais, c'est savoir si une ville est une grosse ville ou pas, c'est complexe. Hein, c'est ça qui est complexe. Mais je trouve qu'aux Pays-Bas, c'est écrit. Regarde. Ah, mais non, je vais jamais retrouver. Mais le panneau, il y avait vraiment écrit ce nom de ville en plus gros que le reste. Ouais, 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 ouais. Donc c'était assez parlant quand même, je trouve. Tu vois, regarde là. Malveik, ouais. C'est vraiment écrit plus gros, quoi. Et on était. Ouais. Ok, on reprend. Ouais, ouais. En vrai, 4500, c'est pas mal. Hein. Alors. Point SK. SK, oui, voilà. Slovaquie, ok. Il y avait pas le nom de la ville sur le bordel? Putain, mec, ça bug. Faut prendre les flèches, on a ces cas-là. Ah. Rimavska Sobota. Rimavska Sobota, ouais. Rimavska Sobota. Rimavska Sobota. Je trace, tu retiens? Ouais, tu traces, ouais. Tu retiens vraiment Rimavska Sobota? Je vais essayer de retenir, ouais. Rimavska Sobota. Je vais aller derrière parce qu'il y a une, voilà, il y a une route là. Rimavska Sobota. Après, tu me diras. Est-ce qu'on serait pas mieux à poncer la carte? Si, pour moi, si, on a le nom. Si, si, si. Oh, que, oh vers l'est, on a Košice. Donc, ouais. On serait plutôt vers là. Roznava, là, il y a. C'est Roznava, Roznava, c'était sur le panneau, c'est ça? Je crois. Regarde le panneau. Ah, le panneau, je sais plus où il est. Non, il y a Lucenec aussi à 32. Ouais. Lucenec à 32. Lucenec à 32? Après là c'est à l'est mais ça se trouve on n'est pas à l'est du tout. Hein. Ça se trouve c'est peut-être la sortie. Ouais c'est la sortie mais en fait c'est ça qui aide pas beaucoup. Je reviens au début. Tu peux revenir au début parce que maintenant on a l'info un petit peu du kilométrage et on a le nom de la ville sur le panel. Rimavska Sobota. Allez en dessous. En dessous à gauche. Oui exact. Voilà. Ok on est et dessus. T'as, t'as la route c'est Ivsdoslo... Enfin c'est, voilà c'est ça quoi. Ouais. Le premier mot c'est la route. Yves Slow, là il y a Thomas, ça a l'air d'être un axe quand même. Hein. Je l'ai. Remonte. Ouais. Mets ton point ici, à gauche. Dézoome pas. À gauche. Encore à gauche. Vas-y. Descends. À droite. Au-dessus. Là. Au-dessus. Ok, voilà, j'avais pas vu. My bad. Et bah c'est la route qui. Je sais pas si on est là, mais en tout cas c'est la route qui est indiquée sur le panneau quoi. Voyons voir la route, commence là, et vers le nord, vers le nord, nord-est. Mais c'est bizarre, elle va vers le... Bah c'est pour ça, ça se trouve, c'est pas cette route-là, hein, c'est... On ah oui, côté, c'est, mais... peut-être, c'est peut-être juste la pub de ça. C'est à 300 oui. mètres, du coup on est à 300 mètres de ça. Bah, donc ouais, si je fais ça... On fera un 4999, je pense. Non. Oh, j'allais mettre mon point là, gros. Oh non. En vrai, bien joué quand même. Oui, en vrai, bien, ouais, mais j'allais mettre mon point du coup plus bas, vu qu'il disait à 300 mètres, à cette adresse, il y a ça, j'allais mettre, bah genre là, en vrai. Ouais. Ah, je suis deg. C'est pas grave. Non, mais he's ok. He's alright, dude. Et donc, si on regarde le récapitulatif, messieurs, dames, et nous avons Gwen, mais quel crack, 24 910. On a pas mal de crack, hein. Oui. On est 19e, bon, vous êtes très nombreux hein, à avoir participé, mais... Ouais, il y a un point. 9000 avec un point en Russie. C'est avec un point en Russie, c'est très très correct. Ouais, ouais. Le point en Russie nous a mis mal, mais c'est assez correct, ouais. Ouais. Ils ok, ils tout à fait ok. Ils ok de ouf. Hein. Ils tout à fait ok, oui. Ouais. On s'en refait un Ouais, un petit. On peut en faire un, ouais. Bien sûr. Alors. Tu peux cliquer directement sur Europe. Ouais. Mais non, Lutrem, comment il va sucer Salut. Super bien, écoutez. J'espère que vous aussi. Bah ouais, mec. Nickel. Nickel. Okay, ça fait quoi là? Ça traîne GeoGuessr, c'est ça? Ouais, une petite seed, ouais, effectivement. Okay. Je viens de voir un truc badon. Ouais, 2h25. Et parce que les premières fois où je jouais, je mettais pas de temps. Je voulais juste chill, tu vois, et trouver. Et du coup, j'ai un 2h25 ici. Mais parce que. On allait faire des recherches quand on trouvait des villes, c'est intéressant. Bah c'est ça. T'explores un peu en fait. Bien sûr. C'est important. Finalement. Bon, ça va au nu ou quoi? Bah mec, trop bien. Bah ce matin, petit speedrun Mario Kart, j'ai fait un PB, ça faisait un mois que j'avais fait un PB. Dit. Ouais, on m'a dit, ouais. C'était fou, la dernière game, je tremblais et tout, j'ai rien dit. Enfin, c'était fou. C'est 48 courses en 150 CC avec objet, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est et ultra long. Ça fait 2h02 là, c'est ça? 2h02 et 44 secondes. Pas mal. Et le record du monde, c'est
C'est 20 minutes, truc impossible. Non, c'est 1h57, quasiment 58. Tu crois pas que tu peux battre ce record du monde? Faut une chance incroyable et surtout faut que je sois bien meilleur aussi, hein, évidemment, sur les trages, etc. Il y a forcément des trages que je prends pas, tu sais, au millimètre, alors que t'as des joueurs qui sont ultra chauds. C'est-à-dire que je nisse que quasiment tout. Je fais quasiment tous les nids. Ouais, j'ai vu un peu, ouais. Et tu regardais un petit peu ce matin, t'as tout suivi. Bah, le matin, des fois, en prenant mon petit déj, ouais, je passe sur ton live, tu fais du MK en speedrun, ouais, c'est intéressant, ouais. Le matin. Bah, ouais, c'est intéressant. De ouf. Effectivement, et trop content, parce qu'à la fin, j'avais 30 secondes d'avance et ça partait bien. Et là, ça commençait à drop plus que 20 secondes, plus que 15 secondes. Je prenais des dingueries, deux éclairs, deux bleus en même temps, enfin, c'était n'importe quoi. Je tombe dans le vide, le stress, et il restait 8 secondes d'avance sur la dernière course. Tout se jouait là. Et j'ai réussi, c'est waouh. Mais du coup, t'as le speedrun, c'est trop bien. T'as PB avec combien d'avance? Bah, 5 secondes d'avance. Oh ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est rien. Tu te dis sur 2 heures, 5 secondes. À 5 secondes sur 2 heures, ouais, c'est chaud, ouais. Ouais. Ah, c'est ultra chaud. Hein. Bah, GG. Félicitations, mec. Merci. Mais ça te donne pas envie d'essayer des fois? C'est long quand même, mais. En vrai. Ouais, je sais pas. Ah, t'es parce qu'au final, c'est. C'est, au final, c'est du speedrun, tu joues contre les bots, quoi, en 150. Du coup, ouais, c'est... Ouais. Ah, je sais pas. Ah, mais il y a un truc important. Ouais, non, mais je sais qu'il y a un truc. Je sais. C'est, t'as de la... Enfin, faut essayer. Une fois que t'as essayé, après, t'es accro, par contre. Moi, je suis déjà accro à MK, de base. C'est vrai. Bah, essaye, tu seras encore plus accro, après, c'est le problème. Hmm. Est-ce que ça vous dit qu'on se refasse une petite map Europe, ouais. GeoGuess? On était dessus, nous. Ah, vous voulez que... Bah, je peux peut-être aider aussi, tiens. Vous voulez... Genre, vous deux, vous me backseater, par exemple? Allez. Tu veux faire ça au nu ou pas? Bah, comme ça, ouais, je peux peut-être donner 2-3 infos. Écoute, j'en ai fait hier pendant 2 heures et c'est pas trop mal passé. Mon Utrem, il est en full tryhard. Je me régale. Complètement. Enfin, en full tryhard, même si hier t'as été obligé de t'allier à Justin pour battre sur War 3, mais bref, tranquille. Qui a gagné la partie au final? Ouais, bah, grâce à qui? grâce à qui Non, mais Justin, il est venu chez moi. je lui ai dit, pars d'ici ou je te casse la gueule. Il est parti. Voilà, non, je suis venu chez toi, je t'ai contourné, j'ai attaqué Pompon par derrière. Non, c'est vous vrai, m'avez tous les deux attaqué en même temps, chacun de votre côté, surtout, c'est surtout ça. S'il venait chez moi, je le tabassais, c'est normal. Quoi ouais, c'est, après, c'est, je venais bah, pas, si. Tu te faisais tabasser par Ponce. Hein. Non, c'est pas vrai. C'était extrêmement serré comme fight. Oui. À un moment, j'ai ramené mes troupes. Plus fort que moi, mais c'est pas non plus du stomp. Oh, vous êtes scandaleux. À un moment, j'ai ramené mes troupes en me disant, de toute façon, là, c'est loose. Vous êtes retrouvés face à face tous les deux et vous avez dit vraiment mot pour mot. Ah non, PPP, Pacifique. Et vous ne vous êtes pas attaqué, les gars. Quoi? Qui a dit ça? Toi, je pense. D'accord. Oh, sinon, mec, là, c'est maintenant War 3, 1v1v1v1, rien à foutre. Sinon, c'est maintenant, les gars. La correction directement. Attention, non, mais là, sinon, ça part maintenant et on voit qui c'est le meilleur. Ça me fume parce qu'il a 1000 heures de jeu. Heures de jeu égale, je te fume. Non mais j'ai 1000 heures de jeu d'il y a 20 ans gros, c'est bon, il y a 15 ans. Oh, et quand même, et moi j'en ai combien sur ce jeu là? Maintenant. Ça va, moi j'ai 30 minutes de jeu. C'est vrai, oui, c'est vrai que le peu cher. Je les ai défoncés. Let's go le FFA. Mais non, mais ça sert à rien, ils vont être obligés de s'allier. Mais je le sais. Bon, vous me backseatez les gars? Ouais. Attends, wow. J'arrive quoi. Sur le stream Discord. Ok. Ok, je vais essayer de diffuser ça, effectivement. Ok. Lego, mais moi j'adore les... J'adore justement faire parler Lego dans les FFA, c'est trop bien. Bon, c'est bien la Lego en plus. Oh, ça s'affiche. Allez, je vous mets le challenge dans le chat. Voilà. Gardez son calme, bien sûr. Ouais, gardez calme. Merci beaucoup hein, Bram pour le deuxième mois. Merci à Mkenden pour le 12e mois. Rubilizi, merci pour l'abonnement. Kromza pour le 2e mois. Le Facteur RNG, merci pour les 200 bits. Lugo pour le 5e mois. Yaberwoki pardon, pour le 9e mois. Chami pour le 8e mois. Et Negos pour le 7e. Merci à vous. Vous êtes trop chiants. Je pense que c'est l'Europe là. Ouais. Attention, 3, 2, 1, go. Oui, c'est parti. Oh, Norvège. Non, pas du tout. Non, c'est les États-Unis. Mais non, mais on est en Europe, frère. Ouais, bien joué. Ah, c'est Europe. On m'a pas dit, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est marqué en. Ah oui, Europe. Ouais, ah voilà, ouais, bah, c'est écrit. Ouais. Non, c'est bon. Okay. Attends ça. Peut pas être États-Unis. Là, il y avait un panneau là. Ah non. Si là. Allemagne. Non, Svej. Veil. Ouais, Veil, c'est danois ou suédois, je pense. Danois ou suédois. Non, suédois, c'est Wagen. C'est Wagen en suédois? L'Europe, c'est dur. Alors, ou alors
Néerlandais. C'est Gatan. Attends, quoi, non? C'est néerlandais, alors? Non, c'était... Non, c'est pas néerlandais. W-E-J. C'est V-E-J, là. Bon, bah... Mais en vrai, sort. Hein. Je me casse la clé, ici. La clé. Une route. Casse-toi. Trace. Non, mais ça peut être le Danemark, en vrai, mais je reconnais pas le... Ah si, c'est Danemark, 100%. C'est Danemark. Moi je pense que c'est Danemark aussi. Après... Non, faut trouver un panneau. Attends. Ouais, non, là. Il est meilleur, celui-là. Ouais. Oui, c'est rouge. Celui qui est derrière toi est meilleur aussi. L'autre, derrière toi, à droite, ici. Oh. Naseby, 33. Naseby, ah non, c'est 3, je crois. Hein. C'est 3, mais non, c'est comme un kilométrage, quoi, donc... Naseby, 3, Gamelos, bien. Naseby. Bah, on va pas se perdre, hein, vous retenez. Ouais. Il y a aussi Bybjerg là et Gamelos. Bybjerg, Naseby, ok. Gamelos et Ostreferge, c'est bon? C'est quoi le petit picto qui est sur le... Sur le? Sur la ville? Ostreferge? Ostreferge, ouais. Bybjerg. C'est un bateau. Ah, c'est un bateau, ouais. Oh. Ok, donc on est à côté de la mer alors, du coup. Ostelo, non, oh. Pardon. Ok, ouais. Bah, à côté de la mer, on va vers la mer? Ouais. Les gars, on se casse à la mer. On se casse à la 30 mer. 30 secondes, il faut ouvrir la map. Et les gars, on se casse à la mer. Ok, je cherche sur le côté. Donc, c'est quoi? Vous avez des noms? Je te dis si je le trouve. Iceberg. Ostervorgum, non, c'était pas ça? Tu l'avais? Non, c'était pas ça. Iceberg. Non. Il y a de la flotte tout autour, on n'est pas forcément sur la côte. C'est-à-dire que, bah, c'est-à-dire qu'on est au Danemark, quoi. Ouais, bah, c'est ça. C'est littéralement de la terre dans la flotte, quoi. Bratsberg, c'est pas ça, non? Où ça? Attends. La gauche, non, je crois pas que ça soit ça. Ça se ressemble. Ah, peut-être nord-est, en vrai. Ouais, c'est compliqué, là. Non, à côté de Copenhague. Ah ouais. C'est pas ça. Ah ouais, oh là, c'était chaud, en vrai. Oh là, la petite île. Oh, la petite île, la petite île de mort. C'est chaud, quand même, hein. Ah, bah, par contre, de loin. Bah, oui, ouais, impossible. Non, pas de loin. Oh là là. Dommage. Au moins le pays est trop. Ouais, bon, c'était pas très... Ouais. Oui, non, oui. Non, c'est vrai. On va toucher l'écran en tant que backseater, hein, tout à fait. Tout ouais. À fait. La petite île, c'est chaud, en vrai. Ah, c'était chaud, ouais. Là, c'était pas ça. T'as pas regardé la direction sud et tout. Alors, en vrai, dans des petits trucs comme ça, la direction, on peut pas dire grand-chose. Ouais. Ça sert à rien. Là, ça sert il suffit que la route, au bout d'un kilomètre, c'est tourne, ça. Bah, c'est perdu. C'est pas parce qu'une rue va vers le nord que du coup, bah, que le panneau indique un truc, ça veut pas dire que c'est spécialement au nord, quoi, c'est ça, le truc. Surtout sur ces routes-là, regarde. C'est bon. Oui, c'est un peu le bordel. Ouf. Ça veut pas dire grand chose, effectivement. Ça qui est compliqué. Next round, go. Ouais. Ok, Hongrie. Ouh, ça peut être Hongrie. C'est un peu déprimant, donc ouais, Hongrie. Hongrie. Peut-être plus un Bulgarie, en vrai. Bulgarie ou Hongrie, ouais. De toute façon, c'est un ou l'autre. C'est un peu chier, hein, évidemment. Ici, pas très beau. On sent que ça a neigé, hein. Ok, les petits moutons qui vont vers là-bas. Oh. Justement, les moutons qui vont nous donner un maximum d'informations directement avec ce swap de direction. C'est bien fait. Toujours au nord, les moutons après, hein. C'est bien sûr. Mais là, je prends la pire route, là. Ah non. Non, après, c'est bien. Enfin, c'est bien. Il faut qu'on se casse, hein. Il faut qu'on se casse, vraiment. Ouais. Hein. Dès que tu vois un panneau, n'hésite pas. Mec, il n'y a pas un poil de panneau. Merde. Même un écriteau, n'importe lequel, en vrai. Hein. Y a rien du tout. Y a R. Ah voilà. C'est l'Hongrie. Maurice. MMBK, Maurice. Ah non, c'est la Bulgarie. Ok. Oh. Là. Putain, y avait un. Panneau de fou. Nul. Tu crois, Ravno, regarde, y a une traduction. Hein. Strasse, street, je sais pas. Et traduction. Donc en fait, on a du cyrillique. Non, c'est Bulgarie. Cyrillique et traduction Bulgarie. C'est, alors traduction, on s'en fout, mais c'est du cyrillique, donc c'est pas l'Hongrie. Et vu qu'on se fait chier, bah ça fait que la Bulgarie. Là, il si y a un truc à 350 mètres qui me... Ouais, oh, non, mais là, il faut un nom de ville. Hein. Là, on s'en fout des panneaux comme ça, c'est... Ouais, un panneau, trouve un panal. Ouais, mais je cherche des grosses intersections, du coup, mais... Oh, une intersection, il y a un truc pas mal, là. Là, il y a un truc pas mal, ouais. Check ça. On a ça. Durancual. Durancual. T'es pas en Bulgarie, là. Pardon. T'es en Roumanie. Dobrich, Roma, Durancural. C'est une plus petite ville, je pense, il faut zoomer. Je zoome un petit peu. Ok, je regarde à droite, moi. Vous cherchez Durand? Ouais. Ouais. Thiové. Je vais chercher Thiové. Je trouve pas à droite, en tout cas.
Gorille. Oula. Oui, pardon, j'ai un peu zoomé. Je connais pas la taille après. Hein. Bah, ça se trouve, c'est des vieux textes. C'est des patelins là. Des patelins. Et attention, regarde autour de Sophia. On va pas trouver un Durancual. Tu sais, des fois. Ah putain, j'ai eu peur de pas avoir mis de points. Oh, c'est chaud. Putain, j'ai. Ah, j'aurais dû me faire confiance. Tu sais qu'il y a un panneau qu'on a vu où il y avait des petites vagues et je me suis dit, on doit être à côté de la mer. C'est la mer. J'aurais dû le dire. Pardon. Je suis désolé, j'aurais dû le dire. Bah non, on aurait pu le voir aussi. Ah ouais, mais j'y ai pensé sans le dire. Je suis, c'est pour ça que c'est bien s'entraîner à Baxit en vrai. Ouais. C'est pour ça. C'est petit, hein. Une petite ville. C'est petit, mais en vrai. Putain, je m'en veux. Ok, go. Next round. Next, allez. Allemagne, Pays-Bas, Danemark. Après la Frege. Ah, il y a une. Ça. Ouais, c'est Allemagne, mais après, maintenant, la ville. On verra plus tard. Pardon, excuse-moi. Oui, Hambourg, c'est pas Hambourg. Je crois que c'est Hambourg, mais je suis. Hambourg, ouais. Très mal écrit, mais. Là, pour on valider. A tous les deux le feeling Hambourg. Hambourg, Dienerstrasse. Il y a même la rue, là. Hein. Bah, attends. On peut comme Hambourg. Hein. Bon, c'est sûr et certain que c'est l'Allemagne. Hein. Oui, ça c'est là, il n'y a aucune fin. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Attends, je vais aller là-bas juste. Emily Grülersch. Le problème de Hambourg, c'est que c'est absolument gigantesque. C'est gigantesque, ouais. Ouais, donc ça va être compliqué. Si on n'a pas plus d'infos comme le quartier, donc il faudrait soit un arrêt de U-Bahn. U-Bahn ? De U-Bahn, genau. Le U-Bahn. Tu vois, genre là, il y a quoi ? Gebrauchtwagen, bien sûr. Oui, bah c'est ouais, bah. Oui, mais on s'en doute. Ok. Le centre-ville en Allemagne, ça pue la merde parce que t'as Einbahnstraße. Attends. C'est pas un peu petit ça ? C'est une impasse, ça veut dire. Gulliva. Non, mais en fait. Ah là, il y a un panneau. Le truc qui me saoule avec l'Allemagne dans les villes et tout, c'est qu'il n'y a pas de panneau quoi. Il y a pas de panneau. C'est ça. Il faut littéralement sortir de la ville pour avoir du panneau. Il y en a, y en a jamais des panneaux vraiment. Hein. C'est insup. Non mais même dans les villes et tout. Hein. Leverance. Bon. Je me mettrais nord nord-est. De toute façon, on a un peu de temps. Ouais, moi aussi je me mettrais par là, mais. Dans ce cas-là, ouais, dans ce coin-là. Moi aussi je me mettrais par là. Praxis clinique Bergedorf. Regarde, voilà Orf, c'est le lieu. Bergedorf, hyper important. Bergedorf, c'est Orf, ça veut dire lieu. Du coup, si vous voyez genre un Bergedorf. Bergedorf. Je zoome. Oh, ouais. Bergedorf. Non, Borged. Ah. Non. Borg, Berg. Oh l'enfer. C'est très local, on le verra pas, mais. Non, mais je pense que ça se trouve. Je cherche, effectivement. Ouais, non, mais. Ouais. D'ailleurs, attends, parce que j'ai un doute. Ah, oh, Meindorf en haut à droite, mais. Oh. Ah, Bergedorf, c'était là. C'était loin, my bad, j'avais beaucoup zoomé. Aucun souci. Oui, d'ailleurs, je me suis trompé. Dorf, on le voit en plus. Ah, je me suis trompé d'ailleurs. Dorf, c'est. Putain, je confonds. Dorf, c'est village et Hort, c'est endroit. Ah. Dorf, D-O-R-F, c'est village et Hort, c'est endroit. Bon, je pas me suis... si mal, 4000. Non, 4800. Ça va, mais c'était trouvable si on. Parce que t'avais raison, c'était une des petites villes autour de Hambourg, quoi. Ouais. Et c'est my bad, du coup. Is ok, on perd 100 points sur 5000. Problème. Ça va. Super l'allemand. Ouais, mais ça part vite l'allemand vu qu'on pratique jamais. C'est chaud en vrai. L'allemand, c'est une langue trop tendue à maintenir parce que elle est parlée que en Allemagne et en Autriche, mais voilà quoi. C'est ouais. Du coup, un c'est compliqué et un peu en Suisse, mais du coup, c'est compliqué parce que bah tu la pratiques jamais quoi. Oui. Donc c'est chouï. Next round. Boom. Diana, Roma. Oh bah c'est l'Italie. Bah il y a écrit Roma. Hein. Genzano dit Roma. Hein. Ouais. Non, je sais que je me précipite. On est à Rome en fait, là, on est directement. En plein cœur de Rome, quoique. Via Romagna. Ok ? Via Romagna, donc la route Romagna. Ok, super. Énorme. Ok. C'est pas mieux que ce soit toi la souris, les deux qui backsit. Bah, le truc c'est qu'on. Alors, en fait, on n'a pas le choix. Orlando Ferrazza. Romagna, hein. La rue, vous oubliez pas. Ouais.
Oui, du panal là. Ah oui. La Nuto Galietti, Zona Atien, Spedale, Parlo. La Duvio, c'est une ville environnante. Hein. Ah ouais ? Tu le sais. Ah ouais. Si, ça nous aide. Bah attends, bah regarde, peut-être que c'est autour c'est de Rome. Comment Alluvio ? Naluvio. Naluvio. Bah, je sais plus ce que c'était marqué, mais. Ok. Dissondrio. Populaire Dissondrio, non ? Non, non, non. Il y a la mer ou pas ? Je crois qu'il y a la mer au sud. J'ai l'impression aussi, mais. Je crois que brièvement, on a vu de la flotte. Tiens, un panneau là. Veleri, ah. Nemi, autoroute A1, Nassa. Ouais, le sud là-bas là. C'est de la flotte ou pas, au fond? Bah, je sais pas trop, non, c'est des nuages là. Non, mais si tu regardes, si tu zoomes vraiment sur l'horizon au sud. Chaud. Ça ressemble, hein. Je sais pas. Chaud. Mais là, regarde, on a des Veletri, Nemi. Ah, il y a l'autoroute A1? Oui, et A1, c'est ça. Du coup, A1. Attends, faut zoomer pour... Attends, mais c'est A1? Ah ouais. C'est peut-être pas forcément Rome, hein, parce que... Non, je sais, mais je cherchais les A. Faut pas focus les... Check vers... peut-être vers la France, non? Non, c'est... Ça va être dur, là. Hein. Parce qu'en fait, il y a les E, il y a A4, A4 là, A9, A2... Zoom sur Génois, sur Gênes, sur... Je sais pas où c'est. En dessous. Génois, au niveau de la mer. Pardon. Oui. A7. Je sais pas où est la 1. A3. Bah là, il y a la 2, ça doit être par là plutôt, non? A1. Pas forcément. C'est pas côté, forcément mais... rangé. Non. Oh non. Ah, c'était Rome. Bah, ouais. C'était bien à Rome en dessous. Viletri, c'est ça qu'on avait vu. Ah, c'est ça, mais il y a pas de. Marqué Viletri. Pour voir s'il y a A1. Il n'y a pas de A1 du tout. Après, les A1, des fois, ils sont renommés parce que c'est, oui. C'est peut-être la E80 en fait. Ah, bah ouais. T'es sûrement peut-être bon la E45, ça. La E80. Donc, même. Genzano, c'est-à-dire quoi, Genzano? Je sais pas. Genzano. Genzano dit Roma, commune en Italie. C'est une commune, c'est ça. C'est une commune qui. De quoi? Genre parce que di Roma, à mon avis, il y en a 46 000 partout dans l'Italie. Peut-être que Genzano, ça veut dire genre banlieue ou un truc comme ça, tu vois. Genzano? Ah, je crois pas. Je crois que c'est juste. C'est Genzano di Roma, c'est comme Villeneuve-les-Avignon, tu vois. C'est, je pense. C'est un peu à la. Ouais. Les quelque chose de Rome, tu vois. Je pense. Je sais pas du tout. Traduction italienne. Française. Genzano, c'est Genzano. Ouais, Genzano, je pense. Okay, hein, ouais, c'est un nom de ville, quoi. Tu vois, de Rome, quoi. Okay. Oh, ouais. Ok. On continue. Pas simple. Ouais. Pas simple. Allez. Colonie. Le monde. La Pologne, ça. Ouais, ça fait très polonais. Je suis assez d'accord. Je vais me casser quand même. Oui, il y a une croix chrétienne. C'est la Pologne. Ok. Nom de ville, est-ce que je reviendrai pas sur le point de départ? Parce que là, non, y a rien. C'est pas un nom de ville. Ah oui. Ouais, mais là, je. L'autre côté, je pense, ouais. Ouais, je pense aussi de l'autre côté. Y a rien, c'est une forêt, y a rien. C'est une forêt. Non, je suis parti où? Ah oui, c'est. Ouais. Eh ben voilà! La ville est là. Ouais. En Pologne, donc. Kwasno. Taxno. T'es sûr que c'est polonais? Ouais, c'est certain. Ok. Tu retiens ce nom-là? Ouais. C'est quoi ça? Donner kebab, super. Kryptine Rosna. Ça va pas, je sais pas si ça aide ça. Il y a un lac, ok. Il y a un lac, très important. Il y a un lac et le nom de la ville c'est quoi déjà? Ouais, tu l'as. Kwasno. Ah, là, je crois qu'il y a un nom de région. Oh, je pense que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, mec. Cul-de-sac? Non, tu pourras pas aller plus loin, ouais. Là. Il y a un lac, du coup ça c'est pas mal. Ah. Ce que je ferais dans ces cas-là, c'est zoomer sur tous les lacs de Pologne. Ouais. Et Kwasno, quoi. Kwasno, quoi. On n'a pas tant que ça, hein. Kwasno, hein. Ouais. Non. Non, regarde plus... Il y en a beaucoup, hein. Quand même, en fait. Non, il n'y a pas. Il y en a énormément. Oh, Kwasno. Ah ouais, mais c'est pas Kwasno. Non, c'est pas ça. Non, la fausse, tu vois. Il y en a partout. Après, je pense pas que ça soit un très gros. J'ai l'impression, mais... Ah ouais? Ouais, mais du coup, c'est non, encore c'est plus dur. C'est un rond, c'est pas c'est un... plus un rond. Ouais, mais regarde, ça peut être genre ça, quoi. Tu vois? Ah, mais du coup, tu le vois, tu sais, quand tu zoomes des zooms ouais. Très vite, t'as moyen de... Technique de professional. Ouais, y a pas non plus. Non. 30 secondes... Ouais, c'est dur. C'est très chaud.
En vrai, dans le doute, tu te mets au milieu. Tu te mets au plein milieu, ouais. Même s'il y avait des petits lacs quand même au nord-est. Hein. Dans le reste du pays, il y a plein de lacs, donc. Cochino, non. Viens, on clutch. Vas-y, on peut se mettre là, de toute façon. Je clutch ça. Il y a plus de lacs. Je clutch ça. À mon avis, ça va être à l'extrême opposé, ça va être sud-ouest, tu vas voir. Oh non. Se faire baiser, sud-ouest. Aïe. Non, j'ai changé mon point au dernier moment sans faire exprès, mais c'est pareil, c'est pas grave. C'était là. Ouais. Ah, tu vois, c'est. Oh, impossible. Oh mais attends, c'est même pas. C'est même pas. Regarde. On l'aurait pas vu. Ah ouais, on l'aurait jamais trouvé. Oui, d'accord. On l'aurait pas vu. Impossible. Il aurait fallu un petit bito, tu vois. Un bito, ouais. Un bito ou un Kosiersina ou. Non, mais un point comme ça, c'est infâme, quoi. C'est chaud. En 2.30, c'est infâme. En backseat, c'est infâme. Je crois qu'il faut. Tu te mets au milieu et tu pries. En 2.30, c'est chaud. En vrai. Mais littéralement sur le nom du pays et normalement tu te mets sur le Paris centre du pays. Je suis allé voir la page wiki de signalisation pour les routes E. C'est insane, il y a moyen d'avoir full info qui carry en Europe. Ouais, les routes européennes c'est impressionnant, mais après elles sont très longues aussi. Donc des fois tu vois une route, tu dis ah mais putain, mais oui elle est là. Et en fait elle... pays, quoi. Non mais elle traverse l'Europe mec. Il y a des E, il y a des E qui sont littéralement de l'Espagne à la Russie quoi. Donc oui, les E donc, c'est en fait, littéralement route européenne quoi. Donc ouais. C'est ça. C'est un peu compliqué 30, en vrai. Le 30 ça peut être partout. Ouais. Donc ça aide pas forcément. Il y a quand même des infos avec l'Espagne, il y a des tirets sur les noms de routes. Oui, bah il y a surtout le nom des de la ville quoi. Ah oui, surtout le nom de la de oui. la C'est-à-dire que Malaga ça va être MA, Séville ça va être SE. Ouais. Ça aide de fou ça. Ah oui. Par contre, il y a un mec, il a fait 24 991. Oui. Ah. En 1 minute 9 what? Oui. On peut refaire une. Un petit last, après on part sur Valheim. Ouais, on va. Europe by Mapper Play 2.30. Allez les gars, on se fait un 23 000. Ok. Ok. Je vous redonne le lien dans le chat. N'hésitez pas. Tenez aussi pour vos chats. Je vous le mets dans notre chat. Si jamais vous voulez le partager aussi. Hop. C'est merde. Hop, pipou. Merci, c'est Gono pour le 3e mois. Merci, Mégos, pour le 7e. Destoki pour le Prime. Tessa Bruti pour le 16e mois. Hugo, le petit JD, merci pour le 5e mois. Koyaz, merci pour le 15e. Et Florek, merci pour le 14e. Merci beaucoup. On partira juste après sur Valheim pour faire nos petites runs de Valheim, quoi. Petite run de Valheim. Je vous remets le lien. Valheim. Vous êtes prêts? Ouais, de ouf, ouais. C'est oui. Parti. Ready. Plaques sont jaunes derrière ou pas? Oui, Pologne. C'est Grande-Bretagne. Ah, Grande-Bretagne. Quoi? C'est Grande-Bretagne. Pologne. Grande-Bretagne, humide, Écosse. Ouais, mais... ah, Cardiff. Humide, Cardiff. Écosse. Cardiff. Cardiff. Attends, mais c'est où Cardiff? C'est pas du tout, c'est Pays de Galles. Sud Pays de Galles. Ah oui, donc c'est là. Oui, voilà. Ouais. Ok. Oh, bon, Cardiff, Dunyan Park World. Riverside, faut aller à Riverside. C'est Nian. Au-dessus. Vous êtes trop Riverside. Loin, et t'as le Dunyan Park Road. Tu l'as où? Tu le vois toi? Non, faut zoomer, je pense. Dragon. Attends, on est à quel niveau? Je l'ai. Ok, vas-y. Au-dessus du chemin de fer. Le chemin de fer. Ouais. Le chemin de fer. Ouais. Vraiment au-dessus. Pas la jaune, la blanche au-dessus. Ah ça. À droite. À droite. Ah pardon. Ouais, ah putain oui. Et du coup maintenant, On est aux deux, mais à mon avis il y a sûrement un croisement. On a une 20. Je pense que si tu reviens au point de départ, on a un croisement. Ouais, point de restart, ok. Croisement là, avec. Quelle direction? Après c'est un croisement qui va vraiment vers le nord et vers le sud. Un vrai croisement comme ça quoi. Il y a pas des panneaux plutôt? Bah. Ça peut être chaud sur les devantures de maison. Si voilà. Clare, bah c'est ça. Clare Road, donc on est un petit peu plus avant, donc on est un peu plus là. Ouais, est-ce qu'il y a une intersection là?
L'intersection est là. Du coup, on est plutôt au milieu, je dirais là. Milieu, ouais. Probablement devant le Donner. Ah, le Donner Dragon Lord. Donner et Pizza. Oh, le barbeur. Le barbeur. Entre le Lazaro Barber. On est là. C'est de l'Europe, hein. De toute façon, on s'en fout. Au mètre près, on s'en fout. Ok. C'est de l'Europe. Ok, nice. T'as eu. Bien joué. On continue. C'est Cardiff. C'est sûr. Italie. Ça, c'est un paysage. Tout ce qu'il y a de plus italien, mais un peu dans les hauteurs. Donc, je dirais. Comment elle s'appelle cette chaîne de montagnes italienne qui fait tout le pays, en fait? L'Italie. Il saoule. Allez. Allez. Oh, c'est la Grèce. La Grèce. Ah oui. Ok. Kerkira. On a Kerkira qui est la grosse ville. Ouais. On a quand même dit c'est très italien. Bah c'est pas loin de l'Italie hein. Bah c'est médité. Si c'est très italien, ça devrait être de ce côté-là. Voilà, par là. Ouais ouais. Ouais, c'est ce que je me dis mais bon. Attends, il y a des montagnes ? Non, on est au nord à mon avis, on est soit ici soit au nord. Kerkira les gars. Kerkira. Je peux rezoomer et on peut se refaire un truc. Je pense que c'est bien là. Niveau de zoom là, il est bien parce que c'est quand même 27 bornes, c'est pas si loin, c'est pas si proche donc Kerkira. On est dans les montagnes. Hein. Priorité aux zones vertes. Sinon, ouais. Caterini, non ? Kerkira. Je pensais pas qu'on est dans ce coin-là ? Si, je pense. Moi, je pensais. Je pense qu'on est 100% là-dedans. Ah, mais il y a pas. Tu veux que je rezoome un Kerkira ? Ouais, là ? Ouais. Ah, ok. Je vais regarder les autres villes aussi, au cas où. Ouais. Dur à trouver. Hein. Oh la vache! La vache! C'est le pays que je déteste le plus sur JeuGuessr. Ah, sur JeuGuessr, c'est compliqué, ouais. Ah, c'est imbuvable. Hein. C'est-à-dire que le truc, c'est peut-être ça, tu vois. C'est un enfer. Bah, je pense que ça se voit quand t'es sur une île en vrai. Après, là, on n'a pas trop regardé le paysage non plus, mais. Crime. Ouais, en vrai, cette zone-là, elle me paraît pas mal, hein. Ouais, moi aussi. Attends, on a d'autres trucs, là ? Non. Ah ouais, bah c'est les mêmes. Non, c'est Kerkira, le pivot. Ouais, c'est Kerkira. Ce round. C'est Kerkira, mais Kerkira. Un petit peu au sud aussi, un petit peu au sud. Au cas où, ouais. On a pas checké, ouais. Ouais, non, mais c'est... Oh, ça peut être là aussi, putain. Bah ouais. Sparte. Putain, c'était là. Oh, mais... Oh, sur l'île. C'est sur l'île. Oh. Et Kerkira qui est... Attends. Kerkira qui doit être sur la côte hein. Ah bah mec Kerkira ils veulent pas nous montrer hein, je crois. Putain on était vraiment dans le trou du cul quoi. Ah c'est compliqué. C'est dur hein, la Grèce en vrai putain. On le voit Kerkira. Ah ouais. Si ça a l'air si italien, c'est que l'île de Corfou était italienne pendant longtemps. Ah bah. Ouais. Ah, on est chaud, hein. Ah bah, italien, grec, égal. On est chaud. Non, mais je le vois pas, Kerkira. Je suis pas le meilleur chercheur. À JeuGuessr. Non, mais gros. Non, mais. T'es ouf, toi. Ah, Kerkira, c'est Corfou. J'avoue, t'es à chier. Ah, Kerkira, c'est Corfou. Corfou. Quoi. Kerkira, c'est Corfou. Mais d'accord, mais. Ah, mais c'est. Ah ouais, c'est chaud là, quand même. Super. Ah bah c'est une transcription, c'est pas une traduction. Bah ouais. Bah c'est normal, c'est pas une traduction. Du coup. Ah oui, c'est pas une... Oui, c'est vrai. En vrai, ça c'est chaud par contre. Aïe aïe aïe. Ça c'est vraiment chaud par contre. Aïe aïe aïe, bah on le sait maintenant. Ouais, bah là si on l'avait su, on aurait trouvé instantanément, hein, je pense, ah oui, mais... clairement, oui. Ok, après, regardez, le point est pas si pire en Grèce, hein. Ça aurait pu être pire. Non, ça aurait pu être pire. On avait l'info de l'Italie, quoi. Ouais. Mais putain, mais oui, on aurait dû partir de là et se dire, alors là on a l'Italie, les pouilles, tout ça machin, et on part. Et en vrai, c'était Kerkira. Pas... Et là... Kerkira, oui, mais Kerkira, c'est Corfou. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ok, on continue ? Oui. Ah bon ? Hollande. Non. Non Suisse. Autriche ? Brückdorf. Brückdorf. Autriche ou Suisse ? Je suis d'accord. Autriche, ouais ? Ok. Autriche, côté Suisse, du coup. Du coup, Brückdorf, c'est le nom d'une ville. Hein. Ouais. Ok. Mais on l'a, du coup, on l'a. Tu l'as, Brückdorf ? Ouais. Enfin, je l'ai retenu. D'accord, je crois que tu... Ah
Ah oh. Zoom un petit peu sur le vert. Va sur le blanc, donc on a Way, Brioche. Oh, mais c'est 1 km, Maria. Ouais, Osef, hein, c'est Osef Tier. Tamsfek. Tamsfek en Autriche. Non, c'est Osef, hein. C'est grand l'Autriche. Oui, c'est grand. Wallins ou pas au nord? Ouais. Bah, peut-être par là, ouais. Parce que c'est pas plat, mais il n'y a pas suffisamment de montagne pour que ce soit à côté de bah, le. Il y en a, mais au loin. Bah c'est ça, c'est des petites... C'est des petites ouais. C'est en fait la direction des montagnes ou pas là? Belle. Partout. Ah non, ok. Ah quand même. Ah là, les gars. Là, voilà. Brückdorf. C'est pareil, mais sur un autre panneau. Encerclé par des montagnes. Ok. C'est énorme. C'est littéralement pareil sur un autre panneau. En vrai, peut-être côté suisse, peut-être plutôt côté suisse. Il y a peut-être une vallée... J'ai l'impression qu'il y a des grosses montagnes entourées, genre. Peut-être une vallée à l'ouest de la Suisse. Mais là, pour le coup, la Suisse, je... Non, c'est clairement pas là. Il y a du Dorf ici, mais... Il y a du Dorf, mais Dorf qui veut dire ville, encore une fois, donc... Du coup, c'est pas possible. Il y a des villes, effectivement. Il y a des villes... On peut continuer à bouger, parce que là... Après, c'est très joli. Ah oui, non, mais ça, c'est... Ah bah, ça, c'est... De toute façon, mec... Ah de toute façon, l'Autriche, c'est magnifique, hein. By the way, BTW, hein. BTW, tout à fait. Maro... la 95. La 95, bien sûr. Voilà, là, faut chercher la 95. Attends, mais 95, pas la 95, c'est la... C'est 95. 9-5. Du coup, c'est chaud. Oh, je l'ai vu. Oh, sérieux? Elle le traverse. Alors, elle est dans le pays du dessus, par contre. Je l'ai vu, 95 au-dessus. Est-ce que du coup, ça... 95, je l'ai. 95 qui est gigantesque, qui est en Allemagne. Est-ce que du coup, ah non, c'est la 95 allemande. Ah ouais, mais du coup, ah, ça se passe. C'est pas la bonne, je crois. Pas la bonne, eh ben, fait chier. Les chances, quand même, sont incroyables. Hein. Mais oui. Ah, 99. Je l'ai en bas à droite. Ah oui. Bouge pas, remonte ici. Ouais. GGG. Ouais. C'était en Allemagne. Oh, let's go. Oh. 795 mètres. Let's go. Oh. Pas mal. Let's go. Bien joué. Let's go. Ça, c'est pas mal. 95, par contre, qui est en Allemagne, il a mis la presse, le base. C'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Ok, pas mal. Althofen. Putain, on les avait. Ah, franchement, tu nous donnes 5 secondes de plus, je pense qu'on te fait 5000. En vrai. Oui, je pense. Ok. Je pense. On enchaîne. C'est tellement important de trouver un panneau ou pas. Next round. Ça fait tout. Oula. Slovénie. Pourquoi? Parce que t'as une méta avec le ciel? Non, le paysage, mais. Ah non, ça peut être le. Non, c'est encore le. Ah, mais c'est l'Écosse. Ah ouais? Attends quoi? Déjà, est-ce que ça roule à gauche, à droite? Réponse dans quelques secondes. Plutôt descendre hein, les routes plutôt que les monter. Mais je descends là, non? Non, là tu montes. Ah ouais? Ouais. Oh, pardon. Ah merde. Ah ouais? Bah non. Ouais, t'étais en train de monter, ouais. Ah merde, my bad, ok. Ah non, t'inquiète. Ah ouais, en plus je connais cette fameuse règle de descendre, évidemment. Ah oui, en fait, tout à fait. Route, ça m'endort comme un véhicule, quoi, mais vraiment. Si t'es dans une cuvette, c'est un peu baisé, quoi, parce que là tu remontes, mais. Is ok. On était dans une cuvette. Ah oui. Ce point est cadeau, hein. Ah ouais, non, mais il est cadeau de ouf, hein. Il est cadeau, le point. La France. Oh, mais c'est la France, c'est la Corse. Mais tu sais que j'ai hésité, gros. Tu sais que j'ai hésité, mec. No joke à dire sud de la France. Hein. Je rigole même pas. Ouais. Hein. D757, D328. Putain, mais il faut que je me fasse confiance plutôt qu'avoir peur d'avoir honte. Donc Ajaccio vers le, on va dire, un peu sud, quoi. Ajaccio vers le un peu sud, on serait peut-être par là. Et si je zoome peut-être ici, on a les D700, ouais, 757, D328. Alors, les directions comme ça, vu que c'est du sinusoïde... Oui, c'est chaud. De partout. Oui, je suis d'accord, c'est chaud. Ça se trouve, on est au sud d'Ajaccio. Hein. C'est compliqué, ouais. Tout est indiqué, mais là, la Corse, déjà, même tout seul, c'est chiant. Alors là, en backseat... Zicavo, Olivenez, Saint-Marie-Siche. Ok. C'est indiqué, ouais. Ouais, je regarde. Zicavo, Ajaccio... Zécavo, là, Olivez, je l'ai. Sous ta souris. Allez, juste en dessous. Olivez. Sous ta souris. Ouais, GG. Olivez. 757, 328. Hein. Avec un croisement, 328, est-ce qu'on la voit? Faut zoomer un peu plus. 326. Ouais. Regarde à gauche, parce qu'elle va à gauche. Vas-y. Ok, donc elle va pas jusque là. Donc maintenant, remonte. 355 Non, faut remonter pour suivre 328. Tu suis la D757. Ouais, je la suis.
428. Elle est là. Clic, clic. Oh, let's go. Clutch. Oh, let's go. Bien. Oh, ouais. Bien joué. Oh, okay, let's go. Bien, wesh, bien, wesh. Pas sur la route. Mais cool, non, ouais, non, non, je sais, là. Mais j'ai mis, oui, j'ai mis mon point en mode l'intersection est là, voilà. Okay. Ok, next round. Next round. Allez, c'est le last. Allez, la Norvège. Finlande, non ? Finlande, Norvège, je sais pas, en vrai, je sais pas. Je dirais Finlande. Un petit panel. J'ai pas eu le temps de voir le panneau. Non, mais il y avait rien. Enfin, il était flou. Juste ah, celui-là. 66, Sulkava. 66, milieu Nord-Finlande. Sulkava. 88, 56, 58, 76, ouais, 89. Descends un peu, peut-être. Parce que, du coup, 60, elles sont bien rangées. Donc les 77. Sous les 70. 74, 73, 71, 62. Vous remontez peut-être à 46, bon. 62, 72 là. Hein. Ouais. Regarde à gauche, plus à gauche aussi. Parce que là, t'es vraiment mais extrême-est. Là, on trouvera pas. Oui, pardon, excusez-moi. 46. Là, t'es trop au sud, je pense. 55. 46. 72. Regarde à l'ouest. Ah ouais, à l'ouest. 56, 58, 66. 66, oh. Ouais. Zulkava. Okay. C'est quelle direction Zulkava, c'est vers le sud. C'est vers le sud. Zulkava, c'est à l'ouest. Oui, tout à fait, c'est à l'ouest, mais... Oui, pardon. Zulkava, donc à l'ouest. La 66 est longue, hein. Non ? Est-ce qu'il faut que je zoome un peu pour Zulkava, peut-être ? Je pense qu'il faut que t'avances un peu. Parce que Zulkava, tu vas pas le voir. Enfin, que t'avances sur le... Ah ouais, tu penses ? Parce que... Bah ouais. Ok. C'est possible que Zulkava soit littéralement à 50 bornes de la 66, donc on verra pas. 10 bornes Zulkava. Okay. Okay, okay. C'est intéressant ça. Ouais, déjà, on a une bonne info. 10 bornes à l'ouest. Tu veux pas qu'on remonte ? Si, si, là, on peut, là je pense qu'on peut... Attends, il y a encore un truc. Ça, c'est bien ça. Ah, mais je crois que c'est la même chose. C'est la même chose dans l'autre sens. C'est la même chose. Ouais. Ah, c'est pas rouge, ok. Zulkava, 10 km à l'est. T'es plus sur la 66, à l'ouest, sur pardon. La 68. Ah, pardon. T'es sur la gauche, ouais, voilà. Donc, ah, ça bug. Zulka, remonte. Zulkavan Kilea, tu l'as ici. Là. Donc, on doit être dans ce camp-là. Bah, du coup, on est sur la route principale. Donc, c'est peut-être, on est peut-être dans ce camp-là. On, allait vers, on est parti vers le nord, donc on est au. On est parti vers le. Non, on est parti vers le sud, donc on est vers le nord. Plutôt là, peut-être. Vas-y, on là. Prend le départ. Il faut, on n'a pas de vue, on n'a pas de lac en vue, je crois, sur le point de départ. Là, il y a une intersection. Et... qui part en biais, regardez. Qui part un en peu, biais à l'est. Un peu comme ça, ouais. Du coup, c'est peut-être ça ou ça. Quoi que, est-ce qu'on le verrait ? Ouais, dans ce coin-là, ouais. Ou ça ? En biais comme ça ? Il y a plein de petites routes. Je suis pas certain, je suis pas certain. Ah, un peu. 9 km. Okay. Oh, attends, montre. Attends, mais c'est pas du tout le bon. Le bon coin. Ah, je me suis. C'est, ah, je, si, vous, c'est je vous ai boussolé, non ? Non, mais c'est pas. Je vous ai pas boussolé. Attends, mais je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais, non, pas, je sais pas. Je sais pas non plus. On n'est pas allé vers le sud ? On boussolé, apparemment ? Si, si, je pense. Mais c'est ma faute. Ah, bah, on est allé vers le sud. Mais. Attends. On est complètement allé vers le sud ? Ah oui, bah oui. Ah oui ? Non, mais on est allé vers le sud, ouais. Oui, oui. Ah, mais regarde. Par ce chemin. Mmh, à mon avis, en gros, tu descends là, c'est là, et c'est ça. Là, c'était là. Regarde, rezoom. Ouais, bah, ouais, je sais, ouais. En c'est fait, c'est ça. Là, en fait. Ok. Ok. Ça va. 9 km, ça va. Tu avais dit 23 000 qu'il fallait faire ? Ah oui, on a fait combien ? Ah oui, c'est fini. Et voilà, 24 000. Allez ! Si, ça va. Si, ça va. Ça va, ça va. Oui, c'est bien, c'est bien. Bien joué. Bien joué. Non, si, nice. ça va. Oui, ça passe. Ça passe. Ça va. Ah ouais. Bon, bah cool. Nice. On s'entraîne à backseat, quoi. Bah ouais. Vous testez pas en monde ou France ? Bon, on vous les teste comme ça, mais si jamais Justin ou Nutrim vous les traîne sur un truc. J'ai déjà fait hier pendant 2 heures. Ok. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, ça me va. Bah on va peut-être passer sur Valheim, en vrai il est 13h. Ouais. Un petit Valheim, ouais. Un petit Valheim, en vrai. On lance le jeu, je sais que vous petit voulez Valheim, lancer, mais... Petite run Valheim, ouais. Petite run Valheim, ouais. Je vais faire un petit pipi avant la run Valheim. Ok. La run Valheim, ça me fume. Petite run Valheim.